Donc la vidéo est démarrée, c'est parfait. Bon, j'espère que vous arrivez à rejoindre le stream. Donc, alors, donc on avait vu cette première partie, à savoir importer une table CSV, la manière dont ça pouvait être manipulé. Ensuite, on avait déjà traité donc les recherches dans une table. Il nous reste les deux notions à voir. La première, c'était donc le tri que vous avez déjà travaillé, on va dire, en TP et donc en correction mardi. Et puis, dernière chose qui nous reste à voir, c'est donc la fusion du tab de tables. Donc moi, ce que je vous avais demandé pour aujourd'hui, c'était de réfléchir justement à, alors, écrire une fonction qui permette justement de supprimer des doublons, éventuellement. Et une deuxième fonction de réfléchir sur la fusion de deux tables. Ok? Alors je vais pas faire un cours très très long aujourd'hui. Je vais juste déjà revenir sur le tri d'une table. Hein. Donc là je rappelle, hein, donc le tri dans une table consiste à modifier l'ordre des données pour qu'elles soient présentées dans un ordre croissant ou décroissant sur le choix d'un ou plusieurs critères. Donc moi ce que j'ai écrit ici comme fonction, c'est une fonction avec un seul critère. Donc on revient toujours pour changer, on va dire, sur les données par région. Et donc voilà, on voudrait par exemple les trier du moins peuplé au plus peuplé. Donc là, il nous faut connaître effectivement les indices de certains descripteurs, donc le nom de la région, le nom du département et la population totale. Donc là, voici un exemple de fonction permettant le tri, donc suivant notre problématique en utilisant la fonction sorted. Donc là, j'ai repris en fait un exemple avec la méthode .sort. Donc j'ai repris ce qu'on a déjà vu la dernière fois en TP. Donc je répète, nous verrons donc d'autres méthodes de tri. On va passer pas mal de temps. Dernier chapitre qui nous reste à traiter, c'est la partie algorithmique. Et je trouve que ça fera du coup un lien tout à fait naturel entre ce qu'on a pu faire là dans ce chapitre sur les traitements des données en table et passer à un niveau un tout petit peu au-dessus et parler d'algorithmique pure et dure. Donc je répète ici donc deux méthodes justement. La première, alors ici c'est une fonction qui permet de trier une table suivant un indice. Hein, donc c'est une, on va dire, fonction qui est tout à fait générique. Peu importe justement le tri que je veux faire en fonction de sur ma voilà. Donc si je veux trier sur la population, il faut que je récupère justement l'indice de la population totale. Et une fois que j'ai l'indice de la population totale, et ben c'est donc cette chose-là justement, cette valeur-là que je vais passer ici en argument sur ma fonction. Et donc là, j'ai repris évidemment la deuxième méthode. Alors là, je suppose évidemment, attention dans ce que j'écris, hein, je suppose que c'est à l'indice 1 que je dois comparer justement les deux valeurs. Évidemment, il faut ici changer la valeur en fonction de l'indice de la colonne qui m'intéresse pour le tri. Ok, donc je passe pas trop de temps là-dessus parce qu'on a déjà répété, enfin, on en a déjà parlé mardi. Alors, j'ai quand même, hop, donc ça, pardon, je l'ai déjà ici. Revenir quand même sur, pardon, excusez-moi, une fonction justement qui me permettrait de supprimer les doublons. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est intéressant, c'est donc moi j'écris cette fonction, on va dire, de manière tout à fait générique, peu importe en fait dans quel chapitre on peut être. Donc quand j'ai une liste, je pourrais tout à fait avoir des doublons. Donc ici j'écris une fonction justement qui va me permettre de supprimer les doublons, quel que soit le type de données. Alors il faut évidemment que ce soit une liste parce que sinon ça ne marche pas. Alors pour manipuler ces objets, mardi, je cherchais un terme justement que je ne retrouvais plus sur le moment, mais ce qui est très important de comprendre sur ce type
de structure de données, donc que ce soit les listes ou d'ailleurs les dictionnaires, c'est que ce sont des objets qui sont itérables. Itérables, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier dans le langage Python. C'est que pour parcourir justement tous les éléments d'un objet, alors par exemple sur votre cours de maths, on utilise très souvent des for i in range de quelque chose, où i va parcourir justement une liste d'entiers, de 0 à n-1, a priori. Voilà, alors c'est valable pour des listes d'entiers, mais c'est valable pour toutes les structures justement qui sont itérables. Donc les listes sont des objets qui sont itérables, les dictionnaires également, comme on l'a vu la dernière fois, sont des objets qui sont itérables, etc. etc. Okay? Donc les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sinon c'est tout à fait faisable. Donc ça permet justement de manipuler ces objets de manière très naturelle. Quand j'écris ça, donc ça c'est pour un élément de ma liste. Alors si j'ai une liste de listes, et ben ça change rien, ça veut dire que chaque élément de la liste 1, ben, en fait c'est déjà une liste, peu importe. Donc je vais pouvoir parcourir ici, ben, ligne par ligne, à l'intérieur de ma liste. Okay? Et pour ma deuxième méthode, pour supprimer les doublons, en fait, j'ai une... Alors, on utilise quand on... ce mot-clé in, donc ça veut dire quoi? Élément, on va prendre toutes les valeurs les unes après les autres dans la liste 1. Mais il existe aussi un deuxième mot-clé qui s'appelle not in, et justement qui va me parcourir la liste donnée ici, hein, et qui va chercher justement si l'élément n'est pas déjà dans cette liste. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est, on va dire, très pratique en Python, qui est très rapide, qui permet justement de parcourir. Quand j'écris cette chose-là, qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir donc tous les éléments de ma première liste, et si l'élément que je suis en train de considérer, c'est-à-dire une ligne, n'est pas dans l'objet, dans la liste qui s'appelle res, pour résultat, eh ben, je l'ajoute. Je ne vais pas l'ajouter si elle y est déjà, en fait. Donc ça permet d'avoir une fonction ici... d'élimination des doublons qui est, à mon avis, très naturel. Donc il y a plein d'autres méthodes. Alors je sais pas s'il y en a qui... J'ai pas compris c'est quoi la fonction sortide. La fonction sortide à Nice, c'est une fonction qui permet de trier en fait une table, c'est-à-dire une liste de listes. Quand vous triez une liste, si vous faites sortie d'une liste, ça va la trier en fait suivant a priori la première colonne. Enfin, les premières valeurs de chaque élément. Alors, seul problème, c'est que moi, je voudrais trier, en fait, quand j'ai des données en table, je dois trier non pas forcément sur la première colonne, mais sur une colonne donnée. En l'occurrence, hein, si je prends mon cours la dernière fois, si je prends mon tri, donc hein, dans le cours, je suis parti de ce fichier CSV-là. Voilà, et donc si je veux trier ici, je pourrais trier par exemple par ordre alphabétique ou par code région, etc., ou par code de département, peu importe. Mais si je trie par rapport à la population totale, ben, c'est avec cette colonne-là justement que je veux trier. Donc la fonction que je donne ici, hein, dans le tri, à cet endroit-là, en premier argument, je passe ma table, et en deuxième argument, je passe l'indice justement de la colonne pour laquelle je dois faire le tri. D'accord? Donc ici, sur mon exemple, à Nice, je devrais passer, donc attention, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passerai comme indice 7 en argument, auquel cas ça me triera toutes mes données, mais en fonction de la 7e colonne. J'espère avoir répondu à votre question. Et de toute façon, on va travailler sur ces méthodes de tri, mais de manière algorithmique. Voilà, donc je reviens sur mon programme. Hop, je vais vous le publier. Je vais le rajouter d'ailleurs au passage sur mon cours. Parce que... Donc, une méthode pour... Enfin, une fonction pour supprimer les doublons dans une liste. Ok, tac, en termes de cours, j'en ai parlé là, clac.
réduire un petit peu cette chose-là. Hop, et je sauvegarde, comme ça vous l'aurez également dans le cours. Peut-être un peu gros d'ailleurs. Bon, alors maintenant je vais parler. Donc pour le tri, c'est bon, on a à peu près ce qu'on veut. Ouais, je vais réduire cette chose-là, donc je vais faire un peu de mise en page. Voilà, pour que ce soit juste en dessous. Je vais parler maintenant des fusions de table. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les fusions? En fait, on a deux types de cas. Le premier cas de fusion qu'on a à faire, le cas le plus simple, c'est justement quand j'ai un tableau. Alors, je vais rester sur mes albums qu'on a utilisés en TP, ce serait un petit peu plus facile à gérer. Donc, je vous rappelle qu'on avait cette structure-là de fichiers CSV. Donc, on a un album, ensuite un groupe, une année et un classement. Donc la première méthode, on va dire, ou la première chose à faire, c'est, mettons que j'ai deux tables qui ont exactement la même liste de descripteurs. Si j'ai la même liste de descripteurs, ce qui me reste à faire, en fait, c'est juste de coller, on va dire, les nouveaux albums à la suite des premiers. Alors ici, je vous ai mis dans le cours une version très 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 sommaire, on va dire. Alors il faudrait juste, on va dire, la combiner avec l'élimination des doublons pour que ce soit à peu près correct. Enfin pour que ce soit, on va dire, parfait, l'idéal. Mais je vais essayer de me concentrer tout simplement sur la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle tout simplement une concaténation. Donc vous avez une première liste, vous avez une deuxième liste, hein, qui est une liste de listes, mais peu importe, en fait, vous devez juste fusionner les deux, c'est-à-dire recoller tous les éléments de la deuxième à la suite de la première. Ok, alors ça c'est la première méthode. À savoir, quand j'ai deux tables qui ont exactement la même liste de descripteurs, on va dire que ça c'est quelque chose de très simple. La deuxième possibilité, c'est d'avoir une, ce qu'on appelle une jointure. Donc on a deux tables qui n'ont pas les mêmes descripteurs, ok, mais on ajoute les descripteurs présents dans la table numéro 2 à ceux présents dans la table numéro 1. Alors, je ne suis pas resté sur les départements parce que c'était quand même un tout petit peu plus long, mais imaginons que j'ai, alors dans le cours, c'était hop, au tout début, je vous avais montré justement ce genre de choses qu'on peut avoir. Hop, c'est juste après, c'est là. Vous voyez, quand j'ai plusieurs justement tables qui n'ont pas forcément les mêmes descripteurs, mais où on a évidemment un lien entre les tables très souvent par un identifiant. Alors moi j'ai choisi autre chose justement. J'ai, imaginons qu'on ait deux tables, donc je vais vous mettre la première hop à gauche et la deuxième à droite. Ma première table, c'est donc, voilà, j'ai donc mes albums avec le nom du groupe, l'année et les classements. On va dire c'est la table qui pourrait s'appeler mes albums. Et ici, j'aurai une deuxième table qui s'appelle mes favoris. Au sens où j'ai un certain nombre de groupes, on va dire, pour lesquels j'aime vraiment beaucoup ces groupes-là. Et puis j'ai d'autres groupes que j'ai les albums, c'est pas un problème, mais ça fait pas partie justement de mes groupes favoris, on va dire. Et ben voilà un deuxième exemple de fusion, ce qu'on appelle une jointure. En fait, ce que je veux, quoi, c'est rajouter ces données de la deuxième table à ma première, mais évidemment il faut qu'il y ait une compatibilité entre les deux. C'est-à-dire que, alors ici on va, il faudrait que je récupère la version corrigée, hein, parce que sinon je vais avoir un problème. Donc je considère que j'ai Metallica ici et pas ce qu'on avait corrigé en TP. Donc évidemment, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lire les fichiers de ma première table, et ici, si cette valeur là est égale, et je vais lire aussi également, je vais parcourir ma deuxième table, si cette valeur là est égale à cette valeur là, et ben dans ce cas là, cette case là, je vais la rajouter à ma première table. Ok, bonjour Ewan, je vous excuse de votre retard, je vais juste vous enlever votre absence sur
Pronote, vous pouvez le voir en direct live d'ailleurs. Le streaming s'est terminé. Et ben alors c'est pas grave, je vais le relancer quand même. Et vous aurez la vidéo pour pouvoir regarder. Ah, Bilal, vous êtes là aussi. J'étais étonné de ne pas vous voir. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens que j'ai déjà mis absents qui seraient maintenant là? J'ai pas l'impression. Donc j'ai relancé un nouveau stream. Alors je sais pas ce que vous avez. Je vais revenir sur moi, sur mes exemples. Hein. Donc tant pis, je vais me répéter un peu dans la vidéo. Donc je répète, j'étais en train de parler de jointure. Donc quand est-ce qu'on parle de jointure? C'est quand j'ai plusieurs tables qui n'ont pas les mêmes descripteurs, donc ici un descripteur identifiant login mot de passe, ici identifiant date, heure et un score, et puis là j'ai le tableau des niveaux de chacun justement des joueurs. Donc mon objectif c'est de fusionner, alors je vais faire un exemple de jointure évidemment, hein, mais la fonction que je vais vous donner est tout à fait générique. Et elle va fonctionner que ce soit des listes de listes ou des dictionnaires d'ailleurs. Donc je répète, moi ce que je veux c'est par exemple fusionner deux listes, celle-ci et celle-ci, ou plutôt celle-ci et celle-ci, où j'ai un identifiant, un login, un mot de passe, et puis ensuite ce que je veux c'est rajouter le meilleur score de chacun des joueurs. Donc évidemment ce que je vais devoir considérer c'est j'ai égalité entre cette colonne là et cette colonne là. Là dans cet exemple c'est les premières colonnes qui sont égales, mais il n'y a aucune raison a priori que ce soit les premières colonnes. Donc je reviens sur mes deux exemples. Ici j'ai à gauche j'ai ma liste des albums. Alors c'est les albums que je n'ai pas modifiés d'ailleurs, hein. Bon peu importe. Et ici j'ai une deuxième table avec mes groupes qui sont mes groupes favoris, on va dire. Donc j'ai juste mis un 1, 0, j'aurais pu mettre oui ou non, c'était pareil en fait. Les groupes qui sont partis justement des favoris. Donc je répète, hein, mon objectif, qu'est-ce que c'est que cette jointure? C'est en fait fusionner ces deux tables, mais pour que, en fait, il faut que cette colonne soit cohérente avec cette colonne-là. Donc à la main c'est très facile hein, de voir bah, ici hein, le groupe c'est Metallica, donc je regarde ici Metallica c'est dans quoi? C'est dans mes favoris, donc je vais rajouter un 1 ici hein, et la colonne, le descripteur favori aussi au-dessus. Ok, etc. etc. Pour chaque groupe, alors quand c'est Metallica, je vais une fois de plus remettre le 1, je vais lire plusieurs fois la même ligne sur la deuxième table, mais voilà l'idée de la jointure. Alors maintenant mon objectif c'est bah, comment écrire ça en Python, ces deux exemples de fusion. Alors pour la concaténation bah, c'est très facile. Alors je vous ai fait deux versions. Hop, la première version justement où je... Alors j'écris ici bon, une méthode naturelle. Hein. Mon résultat c'est quoi? C'est une liste. Donc là ici attention, hein, si j'ai des... Si j'ai des listes de dictionnaires comme on a vu, cette fonction marchera également, hein, puisque en fait qu'on a vu que la structure, on va dire, qui englobait tout le monde, c'était une liste également. Donc il n'y a pas deux versions à chaque fois. Mais donc ici, je vais parcourir ma première liste, et ben je rajoute tous les éléments de ma liste 1 dans le résultat. Ensuite, je vais rajouter tous les éléments de la liste 2 dans le résultat, et ensuite je retourne le résultat. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est une pure concaténation de listes. Attention, évidemment, hein, si j'ai à la fois les descripteurs dans la liste 1 et dans la liste 2, il faudra évidemment coupler avec bah, la fonction de suppression des doublons. Comme ça, ça m'évitera justement d'avoir deux fois la liste des descripteurs. Ok ? Donc, ça n'est pas écrit ici, mais en toute rigueur, il faudrait que ce soit rajouté. Alors, soit je le rajoute à l'intérieur de la fonction, soit je le rajoute au moment où je m'en sers, hein, je concatène et j'enlève les descripteurs. Je pourrais faire justement cette chose-là.
Deuxième version de la même concaténation, en fait, il existe déjà un opérateur de concaténation et qui fonctionne également sur les listes. Donc, ce que j'ai écrit ici, ça revient exactement à faire liste 1 plus liste 2. Alors, attention, évidemment, il faut que ce soit des listes, hein, ici. Auquel cas, ça me concatène les deux directement. Ok, donc ici, a priori, il n'y a pas trop de difficultés. En termes de langage Python, c'est pas trop compliqué. Alors, ma deuxième fonction ici, donc là, dans le cours, je reste toujours sur mes préfectures, hein, sur mes départements. Mais imaginons que j'ai un autre fichier CSV listant les préfectures des départements français. Donc, après avoir importé ces données dans une deuxième table, on souhaite faire la jointure pour mettre la préfecture au bon département dans la première table. Donc, même chose, hein, j'ai toujours deux tables qui n'ont pas les mêmes descripteurs. Et en fait, j'ai en fait une égalité. Je dois faire ma jointure suivant l'égalité d'une seule colonne. Alors, je suis resté sur une seule colonne. Je pourrais très bien imaginer des jointures avec des égalités sur deux colonnes en même temps. Bon. J'en parle pas pour l'instant. L'objectif, c'est quand même d'essayer de comprendre. On verra ces notions plus compliquées l'année prochaine quand on parlera de base de données de manière un petit peu plus formelle. Alors ici, même chose, ma fusion, je l'ai écrite. Donc ici, liste 1, liste 2. Donc peu importe que ce soit des listes de listes ou des listes de dictionnaires ordonnées, ça fonctionnera de la même manière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai besoin de deux clés. C'est ce qu'on appelle une clé. Alors, quand je parle de clé, ben, ça fait très vraiment référence au dictionnaire, en l'occurrence. Mais je pourrais très bien m'en servir pour des listes. En fait, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que je passe comme argument? Alors, quand j'ai des listes de listes, ce que je vais passer ici, c'est un indice, donc un entier, correspondant au numéro de colonne par lequel je vais faire ma jointure. Donc si je prends mes albums, ici vous verrez justement, je vais vous le montrer, hein, le déroulé. Bah là c'est le nom du groupe, donc dans ma première, pour mes albums c'est 1, et ici là c'est le nom du groupe dans la deuxième colonne, l'indice c'est 0. Ensuite, si j'ai des listes de dictionnaires, et ben ce que je vais passer ici en clé 1 et en clé 2, c'est tout simplement le nom du descripteur. Donc ce sera une chaîne de caractères que je passerai. Et en fait, si vous regardez l'accès que je fais à cet endroit-là, il est valable que ce soit des listes de listes ou que ce soit des listes de dictionnaires ordonnées. Okay? Donc cette fonction, théoriquement, elle fonctionnera dans les deux cas. Donc je vais vous le faire, je vais le dérouler qu'avec des listes de listes. Bon, il faudrait le faire la même chose avec les listes de dictionnaires ordonnées. Mais il n'y a aucun problème, ça fonctionnera de la même manière. Alors, comment faire cette fusion? En fait, je répète ce que j'ai dit à l'oral tout à l'heure. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir donc chacun des items, donc chacune des lignes de mes fichiers. Donc premier fichier, hop, je vais lire ma première ligne et je vais parcourir également toutes les lignes de mon deuxième. Alors ici en termes de rapidité, c'est pas forcément le plus efficace. Pourquoi? Parce que systématiquement, je vais parcourir tous les éléments de ma deuxième table. J'ai pas dit qu'on pouvait pas optimiser, mais ça pourra justifier justement, à mon sens, le prochain chapitre, à savoir raisonner sur des questions d'algorithmique. Mais bon, de manière simple, je prends ma première ligne, d'accord? Je vais prendre une ligne de la deuxième, et bah si cette case-là est égale à cette case-là, alors cette case, tout ce qui reste, je vais le rajouter à ma ligne. Ensuite, je vais passer. Alors, bon, quand je passe à la deuxième ligne ici, bah, j'ai pas égalité, donc il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, et je vais parcourir toute ma liste comme ceci. Je prends ma deuxième ligne ici. Ce que je suis en train de vous faire là, c'est de l'algorithmique. Donc, je vais parcourir toutes les lignes justement de ma deuxième table. Si j'ai égalité de cette case-là avec cette case-là, et ben du coup, je rajoute cette donnée-là à la suite, etc., etc. Voilà ce qui se passe d'un point de vue algorithmique. Alors, comment l'écrire justement en Python? Hop, je vais rester là-dessus, pardon. Donc, je parcours ma première liste. Donc, L1 ici est un élément de ma liste 1. Donc, bah, c'est une ligne. Pour L2,
je vais parcourir tous les éléments de ma deuxième liste. Donc L2, c'est la liste, une ligne de ma deuxième table. Et ben je vais tester l'égalité. Si j'ai L1 de clé 1, alors clé 1, soit c'est un indice, si j'ai des listes de listes, soit c'est le nom justement de la clé, hein, au sens des dictionnaires. Donc si j'ai égalité entre mes deux cases correspondantes, voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais créer une liste correspondant à la fusion de la première partie L1. Donc L1, je vais rajouter tous les items, sans problème. Et je vais concaténer avec quoi? Avec tous les items de la deuxième liste, sauf celui justement que je ne veux pas répéter, à savoir le L1 de clé 1 qui est déjà égal à L2 de clé 2. Alors ici, je vais utiliser une petite liste en compréhension. Donc là, on utilise toutes les fonctionnalités, on va dire, un peu phares du langage Python. Donc le parcours de liste des objets itérables. Et ici, j'utilise une liste en compréhension. Alors, je vous rappelle comment ça se passe. Ici, je crée ma liste entre crochets. Et qu'est-ce que je mets dans cette liste? Je mets toutes les valeurs J pour J dans L2. D'accord? L2 étant... alors attention, L2, c'est là une ligne de ma deuxième liste. Hein. Et je pourrais même rajouter une condition. Je rajoute tous ces éléments J si J est différent de L2 de clé 2. C'est-à-dire que je vais parcourir tous les éléments justement de ma deuxième ligne, qui s'appelle L2 ici. Tous les éléments qui sont différents de cet élément-là, je vais les rajouter. Et une fois que j'ai créé cette liste, donc de la concaténation de L1 avec tous les éléments de L2, sauf le truc que je répète, et ben je rajoute justement cette liste créée au résultat. Ok? Alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, dernière remarque, il existe également des modules pour traiter directement des tables. Donc dans le module Panda, c'est vrai que si vous regardez un peu sur la toile, sur le web, il y a énormément de choses qui se font avec la bibliothèque Panda. Alors je répète, c'est très bien d'utiliser des bibliothèques, mais c'est toujours bien d'essayer de décrire ses fonctions. Là, avec tout ce qu'on a, on a, on va dire, un début. De fonctions, enfin on va dire une petite bibliothèque de fonctions qui nous permet justement de manipuler une base de données avec des fichiers CSV. Donc on pourrait très bien imaginer avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué, même avec un petit coup de TKinter, vous pourriez faire en restant sur les albums, vous pourriez vous faire un petit logiciel de gestion de votre discographie à la maison. Okay. Alors je sais que c'est un peu has-been parce que les CD, vous n'en avez plus beaucoup. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Alors est-ce qu'il y a des questions sur ce programme-là, cette fonction? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou s'il y a des questions, il faut les poser maintenant. Est-ce que vous êtes encore là? Okay, Arthur, vous êtes encore là, très bien. Bon, alors, juste pour vous montrer, alors je répète que pour tous ceux qui vont continuer la NSI l'année prochaine, alors ceux qui arrêtent, c'est sûr que bon, l'année est un peu terminée, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui continuent, toutes ces notions, vous en aurez besoin pour l'année prochaine. Hein, donc il faudra. Je propose même. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer la rentrée. Je ne vais pas me faire des plans sur la comète parce que bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais imaginons qu'on fasse une rentrée tout à fait normale. Moi, en début d'année, alors vous n'avez pas passé justement
l'épreuve de NSI, mais je pense que je vous ferai passer un QCM en début d'année sur l'ensemble de toutes les notions de la classe de première, justement. Et pourquoi pas essayer d'imaginer une remédiation suivant les thèmes pour, voilà, pour avoir une idée un tout petit peu de quelle est la maîtrise des notions de la classe de première. Bon, alors, maintenant, c'est bien gentil, je vous ai montré des choses. Hop, donc on va les tester, on va quand même les dérouler. Alors, j'ai pas créé de. Alors, la concaténation, j'ai testé toutes ces fonctions, hein, mais je les ai testées avec des listes, on va dire, sommaires. Je peux peut-être le. Voilà, parce que si je fais des concaténations avec table 1 et table 2, ici, là, ça va absolument pas fonctionner. Mais, hop, je vais juste commenter cette chose-là. Et puis vous montrer que ça fonctionne. Donc, je vais. Alors, allons-y, qu'est-ce que j'ai fait hier? GL1 est égal à. Alors, j'ai créé des listes de listes quand même, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse. Hop, je vais faire 1, 2, et ensuite, deuxième élément, je vais mettre hop, 3,4. Donc ça, c'est ma première liste. Et ma deuxième liste. Alors, pas faire des choses bien intéressantes d'un point de vue des contenus de données. 5, 6 et ensuite 7, 8. Voilà comment on peut vérifier que ce qu'on a écrit fonctionne. Et ensuite, je vais imprimer la concaténation. Hop, de L1, L2. Donc j'exécute cette chose-là. Vous voyez que bah, qu'est-ce que j'ai obtenu? Une liste avec 4 éléments, et puis dont les 4 éléments sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Le stream a coupé. Ok, je le relance. Voilà. Alors au passage, je suis désolé pour la pièce, mais en fait le seul endroit où je peux m'isoler tout à fait correctement, vous avez vu cette belle fractale au passage, où je peux m'isoler correctement, c'est eh ben, dans ma chambre. Donc voilà. C'est la salle de classe virtuelle. Très bien, donc théoriquement les gens ont dû revenir sur le stream. Tac tac tac, alors je vais couper ça parce que ça fait mal aux yeux quand même. Et puis je vous mettrai le fichier, je vais vous mettre le fichier de cours. Hein. Donc la dernière fois je vous avais mis la partie de fichier. Alors je vais peut-être l'enregistrer en PDF d'ailleurs avant de le publier, ce sera mieux. Ok, donc je répète, hein, donc là je vais relancer, mais je vérifie la concaténation de mes deux listes, donc L1 et L2, et ma deuxième fonction que j'ai appelée concaténation 2, hop, voilà, elle me fait exactement la même chose. Alors évidemment, si vous voulez, juste pour vérifier ce qui se passe. Alors je ne vais pas créer un fichier CSV complet, etc. Parce que voilà, c'est un peu plus long. Il faudrait que je fasse une deuxième liste d'albums, mais bon, c'est pas très compliqué. Juste pour vous comprendre que je dois supprimer les doublons, mais imaginons que dans ma première liste, le premier élément bah, soit le même que dans ma liste L2. Évidemment, quand je concatène les deux, hein, ici, hein, ce ne sont pas des ensembles, hein, ce sont des listes, donc je peux tout à fait avoir deux fois le même élément. Hop, donc je peux rajouter ici. Voilà, de cette chose-là. Donc ça me fait rajouter beaucoup de parenthèses, mais
Hop, vous voyez ici que eh ben, j'ai obtenu le résultat sans doublon. Donc quand je fais la première méthode de fusion, la concaténation, c'est une évidence que ici il faut le coupler avec justement la suppression des doublons. Ok? Voilà premier exemple. Donc ça, je vais supprimer. Et mon deuxième exemple, cette fois-ci, donc je l'ai fait avec donc mes fichiers CSV. Donc alors au passage, ce qui serait bien, ce serait de à chaque fois de faire des fonctions hein, qui me permettent d'ouvrir justement un fichier, auquel cas je voilà vraiment ce qu'on a, c'est une petite bibliothèque. Donc ici j'ai affiché la première table, j'affiche la deuxième table et ensuite j'affiche donc la fusion de table 1, table 2. Et alors attention ici, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors il faut aller les voir ces tables, donc je vais juste pas imprimer la fusion. Si je diminue ça, voilà. Donc ma première table, hein, mon fichier CSV. Donc là, je vais faire ma fusion suivant les groupes. Donc c'est l'indice 1 pour la première table et pour le deuxième, c'est l'indice 0. D'accord? Et donc je supprime, hop, je décommande cette partie-là. Voilà, donc j'ai mes premières tables, d'ailleurs les deux premières tables, je peux peut-être les... Hop. Supprimer l'affichage, j'ai juste affiché le résultat pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. Vous notez bien que sur mon premier élément, eh ben, j'ai tous les descripteurs du premier plus le deuxième, hein, le favori. Et donc maintenant, mes albums, j'ai 5 items à chaque fois. J'ai donc le nom de l'album, j'ai le groupe, l'année, ça c'est le classement. Et puis à la fin, j'ai un 1 ou un 0 suivant si c'est dans mes groupes favoris ou pas. Et donc voilà, ça fonctionne bien. Alors évidemment, si je devais faire, alors c'est pas trop compliqué si vous êtes avec des dictionnaires. Là ici c'est pareil, sauf que ce que vous passerez ici en clé 1 et en clé 2, c'est le nom du descripteur, c'est-à-dire juste une chaîne de caractères. Hein. Donc ici je passerai groupe et groupe si je fais la même chose avec des listes de dictionnaires ordonnées. Donc ça marcherait exactement de la même manière. Ensuite, si vous voulez faire une fusion sur deux colonnes, et ben vous voyez que ici j'ai juste à rajouter une deuxième condition. Alors il me faudrait plusieurs clés, évidemment, il m'en faut davantage. Mais voilà, c'est pas très compliqué de rajouter des conditions. Même chose pour ce test ici. Hein. Donc cette fonction, on va dire, pourrait s'adapter tout à fait en fonction de la situation dans laquelle on pourrait avoir. Alors, voilà, donc je vais couper la vidéo.